Bonjour à tous les codeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai des informations concernant le discours de Macron qui va être donc diffusé à la télévision ce soir à 20h. Bon, l'heure je sais pas, mais je pense que c'est 20h. Alors comme vous le voyez, je suis nouveau sur la chaîne de Pablo. Pablo en ce moment il fait appel à beaucoup de gens, mais il a la flemme de faire des vidéos. Et bref, vous abonnez plus et peut-être qu'il sera plus motivé, mais faut voir avec lui, les gars, c'est pas avec moi qu'il faut voir. Moi je m'en bats les couilles, je m'appelle Hacker Pablo. Il m'a engagé pour traiter du sujet du discours d'Emmanuel Macron. Alors moi je suis belge, il est 11h. Peut-être actuellement en cours les Français, je pense. Moi en Belgique, en gros, cette semaine on n'a pas cours, on fait cours chez nous, donc en gros on branle rien. On est vraiment des bons gros chômeurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, les amis, je viendrai de temps en temps, si mes vidéos vous plaisent, là c'est ma toute première, je vais me présenter. Moi je suis un hacker, c'est-à-dire que je reste un petit peu près 17 heures par jour sur mon ordinateur afin de faire du codage, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas d'amis, je reste vraiment toute la journée sur mon ordinateur, des amis virtuels auxquels je parle sur Discord, et je reste toute la journée dans le noir comme vous pouvez le voir car il est 11h et mes volets sont fermés. Fait donc quelques mois que je n'ai pas vu la lumière du jour, que je n'ai pas pris de douche également, donc ça commence à vraiment puer la merde, mais ça ce n'est pas un problème, j'ai l'habitude. Aussi, j'ai un clavier qui a des couleurs, ce qui me permet d'écrire vraiment très vite pour faire du codage. Alors qu'est-ce que je fais pour m'entraîner tous les jours? Eh bien, je suis un vrai hacker, hein, donc je joue à Watch Dogs. Ça fait combien de temps que je suis hacker? Je dirais que ça fait depuis hier soir. En fait, j'ai vu un film qui s'appelle Matrix, et j'ai vu des trucs informatiques et tout, et je trouvais ça vraiment intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas jouer à Watch Dogs. Et depuis que je joue à Watch Dogs, eh bien, je suis un vrai hacker. Quelque chose qui prouve que je suis un réel hacker. J'ai un fond d'écran Anonymous, comme vous le voyez juste ici. Et ça me permet vraiment de me proclamer hacker, voyez-vous. Les présentations sont désormais terminées. Je suis un réel hacker et je vais aujourd'hui vous démontrer par A plus X, Y, X plus... Je sais pas parler, frère. Le discours d'Emmanuel Macron en avant-première. Et vous verrez qu'il y a vraiment du très très lourd. Bref, je vais vous ouvrir mon fichier de codage qui montre le discours de Macron. Ok, il est là. D'après Macron, il aurait regardé la vidéo de Pablo, apparemment, où il parle du coup du reconfinement. Ok, donc il va parler du reconfinement, d'accord, ok. On va être reconfiné. D'accord, intéressant. Attendez, je vois ici, chers concitoyens, à partir de ce mercredi 28 octobre, il vous sera obligatoire de souscrire un abonnement à la chaîne youtubeur belge Pablo. Sinon, il sera possible, vous obtiendrez une amende de 12 500 €. Ah oui, quand même. Putain, le frère Manu, il met bien Pablo à ce bâtard. Eh, les gars. Eh, il n'y a pas une amende, hein. Abonnez-vous, les frères. Et sinon, quoi? Il y aura un reconfinement puisque j'ai vu la vidéo du frérot Pablo. Il a vu ma vidéo et il va mettre en reconfinement. Ok, bah c'est cool. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a demandé beaucoup de travail dans les codages. J'ai dû faire quelques parties de Watch Dogs quand même pour apprendre tout ça. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pixelisé. Et salut les hackers.